How's Greenbow, my name is Ooh, Cyril. Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo sur Hyrule Warriors. Nous sommes le 19 septembre, le jour de la sortie. J'ai eu le jeu hier, mais je n'y ai pas touché pour le jouer avec vous. Donc, c'est parti, je n'ai jamais joué au jeu, je sais pas trop comment ça marche. Donc on va y aller gentiment, donc on va y aller comme ça, on va jouer tranquillement. Sans pas faire un let's play, ça paraît d'être un jeu à let's play. Les autres ont pas d'être utilisables. Mode légende, c'est parti. Prenez pas une aventure, une histoire légendaire. Eh ben c'est parti. On va découvrir ce jeu un peu tous ensemble. Les textures sont magnifiques. Dun, dun, dun. Pam, pam. Well, c'est quoi cette texture violet-noire? L'attaque du poulpe masqué! Et non, c'est un rêve. Eh bah oui. Impa, j'ai encore fait un mauvais rêve. Peut-être est-ce le signe qu'une tragédie va s'abattre sur Hyrule. Sur Hyrule. Oui, Hyrule. Moi, je dis Hyrule, parce que voilà. Une tragédie? Si ce présage est vrai, il nous faut le trouver au plus vite. Qui? Ah, oui. Le trouver. Le héros digne de porter l'habit légendaire. Il n'y a pas que de nouvelles recrues ici. Nous devrions chercher ailleurs. Le mec à peine voyant. C'est le blond parmi tous les mecs en armure. Non, lui, il est là, tranquille. Sans casque, avec faisant des mouvements de malade. Il est blond. Il n'était pas du tout voyant. On sait pas trop, on sait pas du tout que t'as dans l'importance dans l'histoire. Pas du tout. Une horde de monstres apparue aux abords d'Hyrule. Préparez-vous au combat immédiatement. Ça va chier. Hé, hey, c'est la princesse, non? Qu'est-ce que la princesse Zelda vient faire par ici? Elle vient vous mater. Enfin, mater Link. Enfin bon. Un soldat et une princesse, ça part ensemble, donc c'est pour ça qu'il se la fait jamais. Lol. Pauvre Link. Pas gentil. Il y avait un homme lézard là, juste à droite. On dirait que la princesse est en mauvaise posture. Link, qu'est-ce que tu fais avec cette arme? J'avais prévu de la vendre sur eBay. C'est pas moi, j'en ai mis, j'étais au cinéma. Il y a 100 cul Stazor, si vous utilisez des morceaux que vous donnez lorsque vous diminuez pour compléter les actions, vous avez des récompenses particulières. Ça a un genre de truc de bonus. Il y a une barre de chargement en bas là. Les sculptures apparaissent quelque part dans les zones délimitées par une toile d'araignée. Lorsque certaines questions s'emplissent, mais s'enfuient au bout d'un certain temps. D'accord. Il y a des trucs genre de bonus, ou si on les a tous. Alors sur le gamepad là, j'ai des barres de vie de Zelda et Impa. Apparemment, faut que je les protège. Hein. Un truc du genre. Alors, ok, il me déplace. A, ça fait rien. B, c'est une charge. Y, c'est des coups. Et X, tourbillon. Est-ce que je peux charger ce machin? Oui. Vous avez repéré Impa en train d'affronter l'armée des monstres. Il y a une petite map là. Elle est au milieu là. Impa, je viens te sauver. Je sais pas ce que c'est trop ces créatures. Je crois pas m'en souvenir d'en avoir vu des trucs du genre. Alors, il y a une barre jaune là en haut avec des cœurs. On a pas mal de cœurs hein, pour un début. Non, on commence avec 3 normalement, mais... C'est très différent de tous les autres Zelda, ça c'est vrai. Ça ressemble pas beaucoup, il y a beaucoup de changements. Alors, R, c'est pour R, ça sert à changer la caméra. Verrouiller. Ok. Lorsque vous éliminez des ennemis, votre jauge de coup fatal se remplit. En appuyant sur A, vous utilisez toute la jauge pour déclencher un puissant coup fatal. Ah ouais, c'est quoi ça? Oh. Bulia! Ça fait mal. Ok. Fort en danger. Qu'est-ce qui se passe? Il est fort! Mais... Qui est cette nouvelle recrue? Au secours, aidez-moi! Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Ah, une fille. Hey, listen! La pénétration. Merci, je suis la fée Proxy. Ces monstres m'ont attaqué tout à coup. Comment tu t'appelles? Proxy? C'est parce qu'elle est à notre proximité.
Lynx, mais ça, comment? Tu veux protéger tous ces monstres? Non, non, je veux les laisser nous envahir. Très bien, je vais t'aider. Je suis sûr qu'on va marrer une super équipe tous les deux. J'espère bien. Tu fais juste... Hey, listen! Chute du fort de pierre imminente. Il y a d'avoir des choses là-bas. Là, je peux pas passer. Qu'est-ce que c'est, les cristaux, là? Des CF. Là, il y a du monde. Ah! Ça pique. Attaquez sans relâche. Il est là. Ok, quand on court au bout d'un moment, ça vrai que ça fait une genre d'accélération. Ok, il y a des cristaux là, dès qu'on les attaque, ça devient rouge. Avant, c'est ce qui définit ce qui est les points de contrôle. On sprint d'un coup. Oh. Well, shit. Lui, il a la classe. Like a mouse. Badass, guerrier incandescent, Volga. Il est volganique. Lorsque vous ciblez un ennemi, vous pouvez incliner... en appuyant sur L, vous pouvez cibler un ennemi proche pour que la caméra le suive en permanence. Assister. Voilà. Lorsque vous ciblez un ennemi, vous pouvez incliner à gauche, à droite, pour que le cible que la caméra suit. D'accord. Que ceux qui pendent pour m'affronter soient assez forts viennent m'affronter. Début de la mission, éliminer Volga. Bah, je vais m'en occuper. Oula. Durant certaines de leurs attaques, vos ennemis baissent leur garde. À ce moment-là, une jauge de points faibles. Assistée absolue. Apparaît, blablabla. Si vous touchez un ennemi dans le fichier, la jauge se petit à petit. Lorsque la jauge est complètement vide, vous déclenchez un puissant coup point faible. J'ai un doute sur la traduction. Alors là, je peux me... Oula. Gamin, tu as réussi à me mettre en colère. Well, shit. Ça doit faire mal. Salut, Impa. Mais c'est épée, la taille. Je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Il a pas l'air content. Attaque! Déflagration! C'est super efficace. Fin! Nope. Ah, il a utilisé attaque abri. Déflagration est inefficace. Alors, tu es bien? Oui. Oh, bien ou bien? Il s'est barré? Oh, le salaud! Retraite! Ok, il s'enfuit. Ok, donc en fait, c'est un truc petit à petit. Stupide Volga, on ne peut pas gronder sans lui. Envoyez la troupe suivante! Ouverture des portes du Châtelet. Ça se passe ici, d'accord, bah, c'est celle que vient de passer. Hein. J'en peux plus, que quelqu'un vienne m'aider! Capitaine Goron. Oh, c'est un Goron. Attaque déflagration! 350 KO. J'ai buté 350 mecs depuis le début. Éliminer le Zephalos. Un Zephalos. Oula. Waouh. Un homme lézard. Tiens, prends ça. Bitch, please. Lorsque vous ramassez une bouteille de magie, votre jauge de magie se remplit. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez libérer votre pouvoir magique. Non, sans blague. Mission accomplie. Vous avez secouru le capitaine. Merci. L'entrée de la grotte est ouverte. Merci. J'ai peur des rochers qui sont là-haut, moi.
Merci de m'avoir aidé. Pour te remercier, je vais te donner un trésor. Entrez dans la grotte et prenez le trésor, d'accord. Est-ce qu'on peut charger ça combien de temps? Ça part de changer. On y va. Ok, il court plus vite. Par contre, il court vite, hein. Grec. Vous avez obtenu les bombes. Placez-les sur vos ennemis ou sur les rochers pour les faire exploser. Intéressant. Hey! Appuyez sur ZR pour utiliser un objet. Les bombes, par exemple. Bah, c'est un peu le seul qu'on a actuellement aussi. J'avais pas des rochers. Non, sans blague, il n'allait rien se passer avec. Grâce à cela, nous allons pouvoir détruire les rochers qui nous empêchent de rejoindre son Altesse Zelda. Ok, le truc est là-haut. Wouah! Ok, il en balance 15 en même temps. Ok. Ok, là, il y a une petite croix, une grosse croix là au milieu qui dit où est-ce qu'on doit aller. Ok, il y a de la baston. Hein. Il y a du monde, ça fait plaisir. Hein, c'est... Il y a pas de Zelda où on voit autant de monde. Hein. Il n'y en a aucun. Ça prouve vraiment, là, il s'amuse en tout cas. Attrape! J'appuie une seule fois, il en balance 10. Ouais. Coucou tout le monde! Comment ça va? Ah, ok. Ça fait rien. Link a vaincu 500 ennemis. C'est bien. Moi non plus, je ne perdrai pas! Ah bah, j'espère bien. Sinon, j'aurais bien honte de toi. Princesse Zelda, vous êtes saine et sauve. Cette nouvelle recrue a ouvert le passage avec des bombes. Pourquoi est-ce que le capitaine Goron ne l'a pas... N'est pas allé chercher lui-même vu que c'est lui qui a ouvert la porte. Enfin, je sais pas, a pu le faire tout seul. Par hasard. Logique Nintendo. Oh là. Mais d'où? Buzz du fort. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a pris le contrôle de l'aile ouest. Ok, c'est bien ça. Toi là-bas! Ouf. Oh! Quand on est en l'air, on peut commencer. Link, regarde, c'est la princesse! Je l'ai pas vu, où ça? Dans ton cul. La ville de Impa est un peu baissée. Hein. Là, vous la voyez pas, mais. Avant, il y a des niveaux là aussi. Je vois, je suis niveau 2 en bas. J'ai 1200. Alors, je sais pas ce qui va. Prenez le fort central et le fort de la peine et verrouillez les portes du nord de chacune d'eux. C'est ce qu'on va essayer. Ok, des trucs verts là qui sont apparus. Améliorer l'avance vers la forêt est. Nous nous occupons du fort de l'est. Que quelqu'un se charge du port central. Du fort, pas le port, il n'y a pas de port ici. Dans quelque chose de fort et vide, le boss du fort apparaît. Une fois que vous l'avez vaincu, le fort est à vous. Ok. Elle est où cette... Ok, c'est là. D'accord, je comprends. Bitch, please. Oh oh. Yep. Yeah. Oh, 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 ok, regarde, c'est roulade tourbillon. Et j'ai raté. Roulade tourbillon. Et bon, je me fail, hein. On va pas s'emmerder. Quoi? Venez par ici, mes petits. Bunia! Ok, il faut déjà y aller là-bas. Yeah, I got it. I'm the boss. Okay, great. I heard you.